Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar El Bled de Hassan Atlemsen. C'est toute la Kabylie qui fête le jour de la résistance kabyle de 1963 à aujourd'hui. La lutte continue, écrit Farhat Mehni, le président du MAC et de la NAVAD sur son tweet X. L'Algérie contre la Kabylie, le 29 septembre 1963, FFS 2024, le MAC. C'était le 29 septembre 1963, le FFS insurgé, les armes à la main, contre l'invasion de la Kabylie par l'Algérie post-française. La défection d'une partie de ses troupes avait occasionné le malheur kabyle qui dure depuis 61 ans. En 2023, le gouvernement kabyle en exil, la NAVAD, et son parlement, l'Imni Akbeili, ont institué la journée de la résistance kabyle pour que nul n'oublie notre histoire. Cette année, le contexte de cette journée est marqué par deux marches. La première marche entamée le 2 septembre en Bretagne, en France, et s'est terminée le vendredi 27 septembre à Genève, devant le palais Wilson de l'ONU. La deuxième marche est partie de Montréal et s'est achevée le 28 septembre devant le Parlement canadien à Ottawa. Le jour de la fête, un rassemblement a eu lieu à New York, devant le siège de l'ONU, pour marquer aussi l'anniversaire du dépôt du mémorandum à l'ONU pour l'autodétermination du peuple kabyle. L'inauguration de la rue Mahtoub Lounes, le chanteur et poète kabyle à Champigny-sur-Marne, c'était bien Mahtoub Lounes qui disait que les kabyles n'avaient de choix qu'entre deux R, celui de la reddition ou celui de la résistance. La Kabylie a choisi la résistance pacifique, infligeant à l'Algérie, qui la colonise, camouflée sur camouflée, en boycottant systématiquement les élections algériennes. Le peuple kabyle en a assez de voir ses enfants arrêtés, torturés et condamnés par l'Algérie pour délits de kabylité. La Kabylie en a assez d'être brûlée chaque année pour son rejet du colonialisme algérien et de son occupation militaire. La Kabylie en a assez de voir ses écoliers traumatisés par des gendarmes, des militaires et des policiers qui assistent aux cours pour surveiller le discours scolaire des enseignantes et des enseignants. Honneur aux résistants kabyles de tous les temps, écrit et conclut Farhat Mehni, exil, le 29 septembre 2024, signé Farhat Mehni, le président du MAC et de la NAVAT. Voilà donc, c'était la déclaration sur son tweet de Farhat Mehni, le président du MAC et de la NAVAT, à l'occasion du jour de la résistance kabyle. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire ce bip, synonyme de clic sur j'aime. N'oubliez pas de laisser un message pour émettre votre avis. Mais aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes les vidéos publiées sur la chaîne. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Stop every shot from the top.
love.